particulier Daniel Rolland lui-même, avec les coureurs des pistards de l'équipe de France qui seront présents, comme Clara Sanchez. C'est pas évident, mais en fait les spectateurs peuvent voir les deux disciplines et du foot en plus. Oui. Et c'est une très bonne chose pour nos jeunes, parce que cela nous permet... L'équipe de France de cyclocross, qui est managée par l'entraîneur national. À cette occasion, vous savez que cette épreuve est couplée avec l'ouverture qui est non seulement, donc qui nous a fait l'honneur de sponsoriser cette épreuve, grâce à qui donc on aura droit à une belle épreuve à la présence de l'équipe de France. Patrick Brocard, qui est un ancien coureur du Vélosport Hérois et qui a été, pour l'anecdote, à l'origine avec Claude Bertolino, entre autres, de ce cyclocross il y a 25 ans, c'était en 77, ce n'est pas hier. Patrick Brocard et Claude Bertolino avaient, avec José Bertolino et toute l'équipe du Vélosport Hérois, avaient à l'époque tracé le premier parcours de ce cyclocross de Costebelle. Vous voyez que 25 ans après, ce cyclocross continue d'exister. Patrick Brocard d'ailleurs avait couru cette année-là. Il avait terminé à la troisième place de ce cyclocross. Et un souvenir d'un 20 ans après, en commémoration de ça, alors que les coureurs vont commencer à s'échauffer, que l'école de cyclisme sous la direction de Patrick. Bon, mesdames, messieurs, le Vélosport Hérois a 110 ans. Il a été créé en effet en 1893 comme société de cyclisme et de... Il est l'aîné sur la magnifique piste qui a été construite à Saint-Demande, ne l'oublions pas. Ouverture de la saison 2003 sous la direction prestigieuse de Daniel Morello. Participation de l'équipe de France de vitesse. Le ciel a balayé ses nuages et sont des cyclistes et cyclocross. Bienvenue messieurs, monsieur Plaisant. Le responsable de cette équipe nous a dit qu'il était venu ici parce que le circuit que nous proposons... L'équipe de France, il regarde aussi, non? Si monsieur Plaisance nous entend, s'il peut venir présenter ses coureurs. Voilà, monsieur Jean-Yves Plaisance s'est demandé s'il peut venir présenter. Oui, je sais que bon, monsieur Jean-Yves Plaisance est déjà au poste de dépannage, donc on va Francis Bourret, qui est un peu le capitaine de route là de ces jeunes coureurs, lui il est élite, Francis Bourret de l'SPTT Mulhouse, coureur élite, donc il y a le maillot évidemment de l'équipe de France. Nous avons ensuite dans l'équipe espoir, nous avons du comité de champagne Fabien Bourly. Nous avons également Jean-Baptiste Béraud de l'île de France. Bien évidemment. Chez les juniors, nous avons Romain Villa également du comité de champagne. Clément L'Hôtellerie du Vélo Club de l'Apnie. Aïe aïe aïe. Où il est? Je dis où est-ce quoi? Espoir, Jean-Marie Zener, on me l'a oublié. De quel comité? Midi-Pyrénées, où il est? Ah, il devrait arriver. Aïe aïe aïe. Il est là ou quoi? Attendez, on va laisser passer le véhicule. C'est un petit peu. Dis-moi, Zener, il est là? Non, mais ça a équipé. Ah, c'est pour ça que ça a fait. Non, c'est pas vrai. Aussi bien cette école de cyclisme que ces, donc ce sont des espoirs
d'une certaine façon également. Ce sont de tout petits espoirs. Puis nous avons les vrais espoirs et juniors et espoirs de l'équipe de France. Les coureurs, les espoirs et juniors de l'équipe de France qui vont mettre le turbo dans quelques instants pour effectuer une ultime préparation avant les championnats du monde qui se dérouleront la semaine prochaine en Italie. L'équipe de France est placée sous la direction de Jean-Yves Plaisance. Pour nos 110 ans du Vélo Sport Iroise, nous sommes très heureux d'avoir deux entraîneurs nationaux, même trois entraîneurs nationaux.
down, 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 awake, down, awake, down, awake nation. Non seulement des coureurs évidemment de l'équipe de France, mais également